le démontage de votre cartouche de filtre sur-évier, il est nécessaire dans un premier temps de faire chuter la pression. Donc idéalement de démonter cette partie raccordée au robinet pour pouvoir créer un vide d'air à l'intérieur en laissant l'eau s'écouler à travers le raccord. Donc elle va sortir, ce qui va permettre de faire baisser la pression et de faciliter le démontage. Donc idéalement, on va attendre que toute la pression soit partie. Ensuite, prendre un des trous pour mettre la clé. Et puis, d'un côté, on va tenir le socle avec la main pour avoir suffisamment de force. Et ensuite, une fois que la pression est partie, c'est assez facile à dévisser. Évidemment, si ce n'a pas été serré trop fortement. Ensuite, on va retirer intégralement les trous de serrage. Et puis, venir déboîter le haut de la cartouche. Il faut faire plusieurs manipulations pour pouvoir sortir le conteneur du joint et à ce moment-là être au-dessus de l'évier s'il reste éventuellement de l'eau à l'intérieur. Et puis là, on peut librement retirer la cartouche.